Le prince Harry a été critiqué par des militants pour les animaux après avoir assisté à un événement de rodéo aux États-Unis. Le duc de Sussex a été photographié dans un chapeau de cow-boy au Stockyard Rodeo à Fort Worth, Texas, samedi dernier. Mais les militants pour les animaux ont critiqué Harry pour avoir assisté au spectacle de la souffrance, un porte-parole de People for the Ethical Treatment of Animals a déclaré au Mirror. Il est extrêmement décevant de voir que le prince Harry a commis l'erreur de jugement d'assister à un rodéo, un amusement grossier et ancien pour les cow-boys ennuyés qui considèrent les animaux comme rien de plus que des choses. Lors de ces événements, les participants utilisent des aiguillons électriques, des sangles de flanc et des éperons pour brûler, blesser, terroriser et provoquer les animaux qui tentent de fuir pour sauver leur vie. Les animaux souffrent généralement d'os brisés, de poumons perforés, de cous cassés ou de muscles déchirés, et ils meurent parfois dans une arène, et même ceux qui ne finissent pas par avoir peur de leur esprit dans un abattoir, donc quiconque se soucie des animaux devrait éviter ces spectacles de souffrance. Chris DeRose, fondateur et président de Last Chance for Animals, a souligné la campagne pour les droits des animaux de l'épouse de Harry. Meghan Markle, Monsieur DeRose a déclaré, le soutien du prince Harry au rodéo est profondément décevant. Compte tenu de l'activisme de la duchesse sur les questions de droits des animaux, il est inconcevable que le prince trouve les abus perpétrés par le rodéo divertissant. Nous encourageons le prince Harry à en savoir plus sur les outils de la terreur utilisés dans la monte de taureaux. Son ignorance et sa naïveté ne font que saper l'immense héritage de la duchesse et son travail pour mettre fin à la cruauté envers les animaux. Meghan est la marraine de l'association caritative pour animaux Mayou. Elle a également des chiens de sauvetage et un troupeau de poulets de sauvetage. Il a déjà été rapporté qu'Harry avait abandonné la chasse, l'une des passe-temps préférés de la famille royale, en raison de l'influence de Meghan.